Bonjour, Serpentin. Bon... Oh non, Gégé, tu vas pas venir nous embêter. Bon, tu peux rester. Mais tu ne nous gênes pas, d'accord? Oh, regarde comme ils sont beaux. Magnifique. J'aimerais qu'il y en ait 10 comme ça. D'accord. Alors, voyons voir. Si on a 3 papillons sur une branche, combien en faudrait-il pour en avoir 10 en tout? Comptons ensemble. De 3 pour aller à 10, ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça fait 7. Le rêve, ce serait d'avoir plein de papillons multicolores. Oh oui, mais combien? C'est quoi ton nombre préféré? 47. Alors 47 papillons, ce serait bien. Ah zut, j'en compte seulement 19. Bon, on n'est plus très loin de 47 alors. 19 plus quelque chose égale 47. Il en faut ne pas... Oh, mais j'en sais rien, moi. J'ai pas assez de doigts. Pour avoir en tout 47 papillons, on va poser l'addition à trous à la verticale. Je commence par les unités. 9 pour aller à 7. C'est impossible. C'est donc 9 pour aller à 17. Ça fait 8. 9 plus 8 égale 17. Donc, on pose le chiffre des unités 8 et on retient 1. On continue avec les dizaines. 1 plus 1 égale 2. 2 pour aller à 4, c'est 2. Je pose le chiffre des dizaines. 2. Ça fait 28. Donc, pour avoir tes 47 papillons, il en manque 28. Oh.